En 1942, l'armée américaine assembla un régiment de parachutistes volontaires. Faisant partie de cette unité, une compagnie se retrouva en première ligne de la guerre en Europe. C'était la Easy Company. Les hommes de la Easy Company subirent un entraînement des plus rigoureux au camp Tocoa, en Géorgie, gravissant le mont Curry chaque jour et marchant plusieurs kilomètres chaque soir, en plus de l'entraînement régulier de parachutistes. Après plus de 15 mois d'entraînement intensif, le régiment se rendit en Angleterre. Il savait qu'une attaque d'une très grande envergure se préparait. Très tôt le 6 juin 1944, les troupes aéroportées s'envolèrent vers la Normandie. Sur la mer, près de 7000 navires. Dans les airs, environ 11 000 avions. Et sur le sol, plusieurs centaines de milliers de soldats. En tout, 13 400 soldats américains ont été parachutés derrière les lignes ennemies. En raison du tir incessant de canons anti-aériens allemands, les parachutistes furent éparpillés un peu partout dans le nord de la Normandie. Quelques heures après avoir touché le sol, une poignée d'hommes de la Easy Company s'était finalement regroupée. Leur première mission serait de prendre une position camouflée de canons allemands tirant sur les hommes qui débarquaient sur les plages. La position était surveillée par environ 50 soldats allemands. La Easy Company avait reçu l'ordre de saisir l'artillerie avec une escouade de seulement 12 hommes. La surprise fut totale et la mission un succès. Le 17 septembre 1944, l'armée alliée fut parachutée en Hollande en plein jour. Le parachutage fut un succès. Dans les jours qui suivirent, la Easy Company libéra plusieurs villes et villages. Cependant, le but ultime, se rendre en Allemagne, ne fut jamais atteint. Le régiment subit de lourdes pertes. Sur les 132 hommes qui avaient sauté, il n'en restait plus que 98. À la fin de cette campagne, la compagnie s'était battue pendant près de 70 jours consécutifs. Le 16 décembre 1944, Hitler lança une offensive massive dans la forêt des Ardennes, en Belgique. Cet affrontement fut la plus grande bataille de l'histoire de l'armée américaine. Plus de 600 000 soldats américains y participèrent. Une semaine avant Noël, la Easy Company fut envoyée pour sécuriser le périmètre de Bastogne. La température était extrême et les soldats manquaient de vêtements chauds, de nourriture et de munitions. Le régiment réussit tout de même à garder la ligne malgré d'intenses bombardements, et ce, pendant plusieurs jours. Les pertes humaines continuaient à s'accumuler. La fin de la guerre arriva rapidement, et la prochaine mission de la Easy Company fut de prendre le Nid d'Aigle, le manoir perché de Hitler. Ils ne rencontrèrent aucune résistance. L'Allemagne se rendit officiellement le 8 mai 1945 et le régiment s'assura de surveiller la reddition de 25 000 soldats allemands. Tous ces sacrifices ne furent pas faits sans raison. Pendant plus de 4 ans, une grande partie de l'Europe fut victime des nazis. Les juifs furent massacrés, déportés dans les camps de concentration et exterminés. Plus des 3/4 de la population juive d'Europe fut tuée. En tout, environ 11 millions de personnes furent assassinées par les criminels nazis et leurs relais. L'Europe avait besoin d'aide, et c'est en Normandie que cette aide est venue. Au matin du 6 juin 1944,
les forces alliées se sont rassemblées et ont combattu contre l'Axe dans un combat d'une ampleur encore inégalée. Tous les hommes et les femmes qui ont participé à cette guerre sont de véritables héros qui ont sauvé l'Europe et mis fin à cette guerre. Ne l'oublions pas.